jouet la gâte nan même mercenaires colombiens yo qui nan pénitencier national là. Même colombien ça yo qui suspecte nan assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien, rete là, m'bral bo tout détail, tout information sur ça qui a passé à colombien ça yo nan pénitencier. Eh bien, dans la République, gon groupe nèg depuis maling nan pa nan koyo, ça pa mêlé yo. Eh bien, bagay la compliqué pirèd nan douane Port-au-Prince. Hier, ministre Boisvert, ministre financier, li te descend nan douane nan, li réouvri douane nan. Eh bien, jusqu'à présent, DG douane Port-au-Prince, Romel Bell, li lagé pied li nan maran, yo pa konn si lan haut, si lan bas. Eh bien, même hier ça, découvri niveau hypocrisie haïtien. Eh bien, mon cher agent douanier nous sa yo, hypocrite passe yo pa gen. M'bral bo tout détail yo. Et dans l'espace international, jodi an, Mack in Love, Gloire Gens Guerrier, l'hypote yon très belle émission, yon très belle panel pour vous, sous dossier réparation, restitution et dette de l'indépendance, 150 millions de francs, la France te prend pour nous en 1825. Là. Et bien, on pral gen yon paquet d'informations déjà. Nous préparons pour l'espace international. On va faire un paquet de découvertes et un ensemble d'informations pour nous rejoindre là aujourd'hui. Bonjour, bonsoir la famille. Bienvenue tout le monde. Au sous TAC 509, tout haïtien connecté. Ou dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. C'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays, pour nous faire débat. Mais il y a encore plus intéressant, l'homme pour des informations pour vous, nous traiter informations avec vous, nous traiter informations pour vous. Donc là, pas bien menti la dedans. Faut qu'on connaît qui ça qui a passé dans la République, faut qu'on connaît qui décision autorité au prend, et faut qu'on connaît tout qui légèreté qui gagne en dedans institution étatique. Jour J, moins 4, jeudi, c'est mercredi, il était seulement 4 jours là, pour fête des Merlin, pour les river sous nous, pour nous accomplir projet nous te gagnant, pour nous porter cadeau, pour nous porter kishoy pour 100 maman, 100 femme pendant 29 mai qu'a venir là. Donc m'a rappelé ou même qui voulait supporter l'initiative là, qui voulait supporter projet avec $25 US ou bien 2500 gourdes, ou qu'a toujours écrire les Yannick dans numéro émission 38 96 38 19 parce que nous-mêmes nous pas seulement là pour nous bailler information petit coulier, nous là pour accompagner moun qui délaissé yo, moun qui pas gagne rien dans mais yo, moun autorité l'état yo pas arrivé joindre yo, pas arrivé pour te kishoy pour yo, et bien nous même nous là n'a pensé pour yo et c'est ensemble pour projet à pour arriver réaliser. Donc mais en pile chay palou en nous collaborer, en nous contribuer ensemble. Et bien préparer nous là, nous pral parler pays, nous pral faire débat parce que dossier 18 colombiens ça qui dans pénitencier national là, li supposé intéresser aux criminels ça yo. Ah oui, il supposé intéressant et nous allons parler sous, nous allons parler tout sous dossier trafic d'armes qui est impliqué et de Jérôme Bella avec décision qui prend. On allez, nous allons parler pays, nous allons faire débat. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter tous les jours à partir de 2h. Suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Nèg yo pran Haiti sa pou on savan tout bon. Colombien yo fin rentre. Mercenaires yo jwenn job pou yo vin rentre Haiti touye président Jovenel Moïse. C'est comme si nan tèt nèg yo, c'est nan vacances yo te vini. Notre tête nèg yo c'est dans croisière yo té vini, notre tête nèg yo eh bien Jovenel là même et comme Haïti pas une justice, Jovenel son sans famille galété, donc qui a fin touyer Jovenel Moïse et puis yo pral bien vivre. Tout bagay pral rose pour yo. Eh bien hier gon vidéo que mes amiral posté et yo écrit un article tout. Eh bien mercenaires colombiens yo yo pété crié en dedans prison, gen 5 nan colombien yo so attendé là. Yo a écrit, a rentré en contact avec autorité colombienne yo. Y a entré en contact avec des médias étrangers parce que yo estimé la vie menacée. Nèg yo a crié pour manger dans pénitencier national parce que dernier jour là, prisonnier yo pa gen accès à manger, prisonnier yo pa gen accès avec l'eau, yo pa ni manger, yo pa ni bien. Tout petit besoin yon gen pou yon fè, c'est en dans cellule là. Eh bien, gen yon nan Colombien yo qui écrit une affiche qui dit lui-même
jodi an on l'autre fois encore yo pa joine manger. Jodi an encore l'autre fois yo pa joine manger. Donc gen 3 jours suivi pénitence nationale pa gen accès à manger, pa gen accès avec l'eau pour Colombien. Mais ça qui paraît étonnant. Ça le fait que m'pral regarder vidéo, m'pral regarder figi Colombien ça. Pour Colombien, m'pral entendre y a plein nèg qui crier pour manger. Figi Colombien au frais. Figi Colombien est tellement frais, mes amis. C'est comme si Colombien est en vacances. C'est comme si Colombien ça au maintenant dans la pénitentiaire nationale et yo pas sorti, yo dans prison, yo pas jeune manger, etc. Mais Colombien, j'ai l'impression, par contre, si c'est Ariel qui veut aider Colombien le soir pour sortir, mais Colombien est frais. Colombien est trop frais. Bien, dans cette vidéo, on va regarder là. On va voir Colombien qui a plein, Colombien qui a crié. Et bien, il y a un Colombien qui a expliqué que lui-même, il n'a pas voulu mourir grand goût. Il n'a pas voulu mourir grand goût dans la prison parce que ça fait exactement 3 jours. Il n'a pas ni mangé, il n'a pas ni bu, il n'a pas ni pris de l'eau. Et si besoin, les Colombiens ont besoin de faire petit poubou, c'est notre petit coin dans la cellule là, ils sont obligés de faire. Et sortant des pile nègre, il y a un poubou, il y a un poubou. Dans quelle situation vous trouvez, mais je dis là par rapport avec crimes à faire, par rapport avec violation souveraineté pays, il n'y a pas réfléchi. Mais si vous pas réfléchi, vous décidez de rentrer en Haïti, vous prenez Haïti pour un savant, vous rentrez, vous assassinez le président pays, vous assassinez le président Jovenel Moïse. Donc, est-ce que vidéo ça c'est comme si c'est bonne grâce à chercher par bon côté peuple haïtien ou bien yo voye pour autorité la caillou yo adresse un message avec reste monde là la vie est menacée etc etc. Ils veulent pratiquement nous tuer, ils veulent nous tuer, aidez-nous s'il te plaît. Bon play vidéo parler trop parce que la pi bon pour les colombiens pour les petits figuinèg yo j'en ai yo fait je cherche pour yo plein. On va mettre une vidéo pour nous. Et son vidéo qui est en espagnol, on connaît. Colombien parle espagnol et gè souscription en anglais. M'a quitté nous regarder vidéo et puis après le retourner m'bra le ban outil détail parce que ah comprendre nèg yo prend Haïti pour s'allier. On regarde te dire leur t'a vini touyer président et puis même peuple haïtien, même qu'on haïtien comment yo. Regarde dire même peuple haïtien t'a pral utiliser hospitalité yo ba côté pour rete, ba manger comme si c'est pensionnaire yo. Est-ce que ça te passe? Ah bien c'est pire. On regarde des vidéos, on regarde des vidéos ensemble et puis ensemble nous pral décortiquer, nous pral décrypter. Buenas tardes, hacemos un llamado de auxilio al mundo entero, por favor, mire, cumplimos 72 horas, no nos hemos comido, no nos hemos bañado, no hemos salido a hacer del cuerpo, nos toca hacer del cuerpo aquí dentro de esta reja, por favor, al mundo entero, esto es un llamado de auxilio, somos inocentes, estamos en un país donde nos están prácticamente matando, nos quieren matar de esta forma, por favor, ayúdennos, ayuda, amigos, tú eres de aquí, tú eres haitiano, ayúdanos también, por favor, te lo pedimos. Por favor, por favor. Amigo, ¿cómo es posible que nos van a dejar aquí en este centro de concentración? Porque esto no es una cárcel, eso no le puede llamar cárcel. Nos tienen aquí aguantando hambre, se dan más de 72 horas, la gente está muriendo del hambre. Por favor, hagan algo, o miren a ver qué pueden hacer por nosotros. Gracias. Por favor, a todas las personas que vean este video, llevamos 10 meses detenidos sin abogado, sin ser acusados de ningún delito, torturados, inculpados, sin acceso a un abogado, sin juez. En este país no hay sistema judicial, no hay jueces, no hay absolutamente nada. Estamos en esta prisión, llevamos 72 horas sin comida. Yo creo que las personas que vean este video, ¿qué nombre le ponen a esta situación? Encerrados, aislados, acusados, sin abogado, sin juez, sin comida, sin agua. ¿Cómo le llamamos a esta situación? 10 meses de abusos, de atropellos, de excesos, y nada pasa nada, y nadie dice nada. 3.700 compañeros presos, muriéndose del hambre, no hay que comer, y no pasa nada. Hace un momento los presos haitianos están intentando romper los candados para ir a sus celdas desesperados. Nuestras vidas corren peligro porque hemos recibido amenazas de muerte. Muy probablemente va a haber un motín. Entonces no sabemos qué hacer. Tenemos mucho miedo, la verdad. No sabemos. Estamos nerviosos, señores. Ayúdenos, por favor. Ayúdanos, amigo. Ayúdanos, por favor. Por favor, ayúdanos.
Tale. Avant Colombien, hop, tu sois haïtien. Non, peut-être que Colombien, ça ou pas droit. Parce que là, moi, je suis dans la vidéo, c'est trip, la trip. C'est trip. Ok, gros minimum de sensibilité, on pourrait grand monde qui a crié pour manger, ça dure. Ok, ça nous clair sur lui, c'est dur. Parce que, un monde qui n'a pas mangé, qui n'a pas boire près de 3 jours, et ça, c'est une forme de torture. Lié. Mais en dépit de tout ça, faut que yo pas jouer avec sa crêle. Faut que pas jouer avec Figimoun comme ça. Nous gagnons entre prison civile, quoi, des bouquets, prison civile et pénitentiaire nationale, là. Ou gagnons 80%. Ou gagnons 80% et comme tu as dit ça, et effectif carcéral. Ça veut dire nous gagnons près de 11 000. Nous avons près de 11 000 prisonniers dans deux prisons. Monsieur pénitentiaire national, il y a plus. Donc, pour 18 gangs colombiens, qui pisent 18 présumés criminels assassins, qui sont côté aux autres dans le pays, ils rentrent, viennent assassiner un président au pays. Et puis, je dis, là, il n'y a pas même un minimum de respect. Il n'y a pas un minimum de respect pour compatriotes haïtiens qui n'ont pas pénitence nationale tout yon même qui pas manger qui pas bien qui pas boire etc. Mais yon même yon clamé innocence yon et fort yon dou pénitence nationale son camp de concentration lié parce que et notre système lui y a là près de 3700 prisonniers là-dedans comme si l'impression colombien ça été attendre en faveur. Yo te attend que yo traite yo bien, yo te attend que yo pa konnen que yo medaille yo, que yo met ton petit fleur sous tête yo, pote petit café, petit thé, petit pain beurre. Non, j'ai l'impression c'est ça yo t'attend. Peut-être c'est garanti ça nèg yo te ba ou leur t'ap rentre en Haïti pour yo vin assassiner président. Peut-être c'est garanti ça. Ariel Henry parraine John Joel Joseph et la triété ba yo là on t'a vinn en Haïti vinn faire job là vinn faire job sale là tout bagaille t'a pral douce puis là on pral comprendre nan remè l'argent facile là nan remè l'argent facile ou souvent fini mal ou souvent fini mal jodi là si colombien ça ou pas rentrer 10 mois de slavin en Haïti vinn faire forfait ça côté ou t'a pi ou t'es ka la caillou en Colombie t'es ka la caillou en Colombie. Mais jodi an ki kote ou ye, exactement ou nan pénitentiaire national. Ou pa gen accès avec avocat, ou pa gen accès avec juge, ou pa konn ki sa nan dosyo, y ap torturé ou yo isolé ou yo batou, ou pa manje, ou pa bo, pa soti, koto ya il a fait tout à fort. Et moi responsable. Moi responsable, compatriote haïtien yo ki responsable, ko detenu ki nan pénitentiaire national avant yo ki responsable ou même ki te fait choix. Ou bien ou même comme moun, comme individu, comme moun qui remenage facile, qui te fait choix, qui te lio avec CTU, qui te lio avec Endriago, qui te lio avec John Joel Joseph, qui te lio avec James Sola Joseph Vincent, qui te lio avec Dimitri. Pour m'ta remen kon Dimitri Roy. Parce que c'est même allié yo. C'est même allié yo, si madame Dimitri ta poto tiki choye pour lui, ta séparé la avec même moun yo, même compatriote yo. Yo nan pénitence nationale pour même kojodian. Yo nan pénitentiaire national parce que yo tout yo suspect assassinat président Jovenel Moïse. Donc question ou a crier pour manger ou a plein et ça moi pas ka comprendre ni pas ka comprendre ni. C'est vrai que si n'a considéré dans la légalité, n'a parlé de violation droit monde etc. Oui. Violation droit monde. Mais bon nous dans tout pays, là, on nous dit là dans pays voisin. Ouais, j'en y a maltraité gens, humilié haïtien, gens violé droit haïtien l'autre bord. Qui ton haïtien? Et mabdou, ça comme situation qui dégénère dans un bon champ là. C'est parce que haïtien yo yo te voyé aux trois agent immigration, haïtien yo te attaqué agent immigration yo. Nous dégénérer là. Mabdou, seulement attaquer agent immigration yo, ou comment dominicain hostile. Qui ton haïtien t'a attaqué un officiel pour ne pas voir qui ça t'a gagné. Pour nous parler qui s'est tapé. Donc, Colombien, juste côté, ils sont en Colombie. Ils ont traversé tout côté, toute zone, ils ont débarqué en Haïti. Et puis, jodi, ils ont attendu faveur par bon côté haïtien, faveur par bon côté, et par contre, autorité, whatever. Mais non, nous pas faire faveur là.
Nous pas qu'à faire au faveur, nous pas qu'à clément envers eux. Oui, c'est vrai, faut que doit nous respecter. Oui, c'est vrai, et on pas droit violer droit en prisonnier, on pas droit violer droit monde et détention préventive là, il pas supposé faire etc. Tout détenu et au gain droit pour au gain avocat, au gain droit pour passer devant juge dans les plus brefs délais etc. Oui, nous comme ça yo. Nous connaissons c'est des principes de base, ces principes droit yo nous connaissons. Mais en nous sérieux, en nous sérieux, en nous sérieux. Jodi an la, Colombien ça yo yo pas ka mettre dans tête yo que Haïtien, Haïti son pays facile. Yo di nous son pays facile, nous ka vinn faire crime puis pour n'aller mais non. Par rapport à ce que nous subi dans la pénitence nationale, l'anticrier ça yo, ti sensation de douleur ça yo. Trois jours, ou un Colombien qui a crié comme ça, li dou, et yo vle touye yo, yo ap kite yo mouri grand goût, etc. Mais, et moun sa yo, et compatriote nous sa yo qui dans la section communale yo, kap manje te jusqu'à présent. Kap manje te, c'est pas trois jours, non, yon fait manje te. C'est pas trois jours de toute existence moun nan depuis le pas jeune manger depuis le pas jeune petit pain depuis le pas jeune petit diri c'est notre terre à le réfugier c'est terre pour le manger qui ça n'a dit pour yo qui ça n'a dit pour yo et moun sa yo et moun sa yo izo ti la pli kris la l'homme sans jour a théoriser yo qui ça n'a dit pour yo même. Nous même nous mieux nous dans pénitencier national nous entre quatre murs OK nous pas gain libre accès nous pas gain liberté nous mais nous mieux mon ça yo parce que nous pas gain pour nous craindre quoi que ce soit nous pas gain pour nous craindre avant parce que nous t'es prêt Haïti pour ça avant nous rentrer là jodi on pas quoi nous pas craindre pour vie nous préoccupation vrai préoccupation jodi là c'est haïtien compatriote frère chez moi qui dans la rue yo qui a kidnappé petit yo y a violé petit yo y a tué petit yo et qui pise ou pral joindre même nèg sa qui planifie assassinat président Jovenel Moïse dis-moi après oui dis-moi après ou a bataille pour pouvoir parce que pouvoir mal séparé pral dou ça passe ou tant que par exemple hier on t'a parlé de accord Montana Pen qui sort comment comprendre pral dou ça crivé là nèg yo planifie assassinat président Jovenel Moïse que c'est assassinat politique, que c'est assassinat physique, nexayo qui constitue opposition, même groupe nexayo je dis qui fait partie de l'accord en septembre, yo tout là-dedans. Ariel se côté sorti qui tant petit, li pa fè bataille politique à terre avec nexayo pendant 4 ans et Ariel qui vient au pouvoir. C'est Ariel qui premier ministre, c'est Ariel qui prend décision. Aussitôt que nexayo wè yo pa ka rentrer en bas avec Ariel parce que bagarre la visible, rentrer en bas avec Ariel ou pa bénéficier poste alors que nexayo fait tout ça yo te fait pour ka diriger, pour ka prendre l'état, pour ka prendre tête l'état. Donc ou pensez le pral facile? Ou pensez jodi an la li pral easy pour la République, pour Haïti ralon souffle dans insécurité, pour Haïti ralon souffle dans cause violence qui gagne dans pays an? Alors que tout bagay sa yo prend naissance à partir de politique là li fort nous pas ka bay tête nous menti nous pas vle bay tête nous menti jodi an la assassinat président Jovenel Moïse soit assassinat qui gen des intérêts politiques des intérêts économiques qui derrière mais en dépit de tout ça ou pral joine garantie que groupe nèg politique sa yo te gagné les Jovenel Moïse fin assassiné les Jovenel Moïse pas dans pouvoir c'est eux même qui pral gagne libre accès c'est eux même qui pral fait qui pral défait jodi an la ouais c'est pas ça qui fait ouais résultat escompté c'est pas lui même nèg yo joine ou vin joine opposition politique qui déchirée opposition politique qui divisée ou jeune SDP seulement SDP allié et fusion unité etc. une force qui n'a pouvoir avec PHTK avec respect PHTK mais tout nèg ça qui t'a bataillé avec André Michel qui t'a passé 4 ans à attaquer qui t'a planifié assassinat, qui t'a planifié complot, qui ça rejoint, n'est pas jeune rien. Yo monte structure Montana Pen, yo pas bénéficié rien. Donc, m'pa wè comment jodi an la, ou pral mande avec peuple haïtien pour le clément, non seulement vis-à-vis de politiciens ça yo, de gangs ça yo, de gangsters ça yo, ou pral mande peuple haïtien pour compatissant envers colombien ça yo, k'ap fè géo, fè tè pwa tè et tè mari la, k'ap kriye pour manger. Nous même qui censé bon minimum de liberté malgré yo restreint la dedans gang yo restreint la dedans oui malgré faire complot à bandi yo restreint dans liberté nous oui et
nous autres qui va nous pas mettre main en tête pour nous crier pour manger tout. Parce que madame yo dû ou prend 10 dollars à acheter citron dans marché, yo pas peur pour boire 3 tigres de citron. Malgré que vous avez acheté, oui, soit abus, soit injustice. Donc, je dis là, pour bien errer ça, vous autres côté, vous autres, vous venez faire crime dans le pays. Vous mettez, vous plongez le pays dans une vie institutionnelle. Vous plongez le pays dans un chaos. Et puis, je dis, c'est même vous même encore qui prend Haïti ça comme, on est en compte de fait. Un pays côté que vous tellement dit, vous Haïtien qui est en main, et puis vous venez crier. Ah ben, bah, ok. Si moi, je vais le faire pour manger, à ma pote le banon. Ah, ma mette l'on quand tu n'bote le banon. Bref, nous prenons rentrer dans le dossier directeur douane Nabel Romel. Parce que, pas oublier, tu as une information qui t'a circulé, côté que au fait nous connaît, et ambassade américaine, ils ont coupé visa et directeur général douane pour qui ça, parce que, ils ont estimé la corruption, ils ont estimé le trafic d'âme. Mais, je te dis ça très clairement, jusqu'à date pour gagner et note officielle qui sortit. Mais, si c'est un bruit de couloir, et je toujours dis nous là, je ne vais pas lever ça de fait. Bruit de couloir ou pas, bon façon pour l'autorité concernée pour appréhender la situation. Bon façon pour le commissaire gouvernement Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, pour appréhender la situation. Ça. Moi, je ne vais pas rentrer dans la logique côté que nous prenons douane son institution. Et je toujours dis nous ça, institution n'a pas gagné pour ouais avec malversation que nous avons fait. C'est autorité qui n'est pas bon, c'est autorité qui a volé, c'est autorité qui a participé dans ma gouille, qui a fait vie deal. Institution son bâtiment qui a chaise, table et fait papier. Dans qui sont institution complice, dans qui sont institution coupable, c'est autorité qui n'est pas bon. Ok, ou gagné directeur ULCCA avec. Différentes unités dans la police, ils font descendre dans la douane Port-au-Prince. Parce que c'est là que Bel Romel a un bureau. C'est la direction liée. Quand ils ont fait descendre, qui ça? Qui comportement agent ULCC, enquêteur ULCC affiché? Ils ont décidé de poser scellé sous bureau directeur douane. Ok? Poser scellé sous bureau directeur douane, c'est. Comment vous avez dit ça? C'est. Et comme si vous restreignez le fonctionnement de l'institution. Alors que vous connaissez parfaitement bien, vous connaissez qui est ULCC, vous connaissez qui est le commissaire du gouvernement, le clameur public, à dénoncer, à faire dénonciation, ou bien senti ça qu'a fait là au niveau de douane Port-au-Prince, les plus semblait comme si moun ka fait film que moun vraiment qui voulait. Chercher la vérité sur ce qui a passé sous et Bel Romel, sur ce qui a passé en dedans de douane Port-au-Prince. Parce que je doute très honnêtement. Ou mon commissaire du gouvernement, ou Wally se mette action publique en mouvement. Ou mon commissaire du gouvernement, ou Wally se enquête chercher information. Moi, je toujours dis ça, ce n'est pas hostilité vis-à-vis de Jacques Lafontaine. Jacques Lafontaine n'a pas prêté en merde dans le paquet Port-au-Prince. Jacques Lafontaine, l'ichita là, c'est fait comme si son bloc glace, j'étais assez rancé la prince en deux dans le paquet. Elle n'a pas prêté rien. Parce que c'est le moment pour action publique, pour mettre en mouvement, c'est le moment pour chercher information, c'est le moment pour enquêter, pour qu'on ait réellement qui ça a mis la fin en deux dans le douane. Au lieu de ça, où jouer une descente qui fait, ULCC fait une descente dans le douane Port-au-Prince, qui ça a fait, c'est le mettre. Ou mettez les institutions pas qu'à fonctionner qu'on y a, ou mettez les agents douaniers qui ont manifesté, ou mettez les bateaux pas qu'à fouiller, etc. Pour qui ça? Parce que nous pas fait travail, nous j'ai travail là doit fait. Nous pas fait travail, nous j'ai travail là doit fait. C'est comme si yon ka di tel volé, au lieu de chercher information sur tel pour marier tel, ou vi nous font des magos, ou fait tel chapé pour li tel sauver. Bon, côté directeur douane. Côté Bel Romel depuis l'heure, côté li lagé piel. Li lage piel, jodi an si enquête révélé, c'est vrai que le trafic d'âme, c'est vrai que li nan complicité avec gang, avec bandi, koto pa jwenn ni. Ici c'est démagogie nèg yo fait. Ici nous plus rentrer dans logique démagogie, nous plus rentrer dans logique politiser toute institution yo au lieu que nous fait ça la loi dit pour yo faire. Au lieu que nous faisons ça, la loi dit pour nous faire. Embral dit nous. Soit j'aime dire nous, haïtiens, on ne peut pas être haïtiens, mais comment ils fonctionnent. Depuis douleur, ils pas encore pour après les peser pour moi. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Je dis, nous ne pouvons pas être agents douaniers. Hier, on a regardé des vidéos, côté que
monsieur yo mobilisé, yo pa travay parce que il faut que yo leve selé sous bureau en directeur, il faut que directeur a retourner vinn prend travail etc. Mais faut agent douanier yo pa oublier c'est même yo même. C'est même yo même en pile fois qu'app dénoncer malversation qui gagné en dedans douane. C'est même yo même qui a dénoncé trafic d'armes qui a fait en dedans douane. Que l'on pour la fito, que l'on se mak, que l'on doit une bonne presse. C'est au même encore, jodi en la, zam sa ou kap rentre, qui pral fait dégâts dans la population civile là. Zam sa ou kap rentre, kal touye petit peuple là. Zam sa ou kap utilise pour faire kidnapping. Même PNH kap avec faible moyen ou gen, kap garde dans qui mesure kap protéger population, servir population. C'est même zam sa qui pral touye policier yo. Donc, ou même jodi en comme agent douanier, comportement ou gen, c'est mandé pour mel bel tourné. C'est du pas travail, on camper tout travail, d'autant on mel bel pas tourner en dedans institution, dans cette institution. Pour qu'ils soient pas mandés pour enquêter. Pour qu'ils soient pas mandés pour la justice ce travail li. Pour qu'ils soient pas mandés pour ou pas agir en toute neutralité. C'est la mbral du tout, niveau hypocrisie qui gagne pas beaucoup trois paquets haïtiens. Tout le conteneur zam a rentré, machine zam a rentré, ou pas jamais tande ou dit quick, ou pas jamais tande ou dit rien. Alors que zam ça qui est si pral terroriser c'est même population. C'est même petit peuple qui va le tuer. Ou pas, j'aime tendre au dou, yo pral observer un arrêt de travail, yo pral camper travail, etc. Trop zam passer dans douane yo, trop zam rentrer dans pays yo, yo pas fouiller, etc. Ou bien les zam yo rentre, même le yo avise, zam nan fè l'autre. Ou pas, j'aime tendre au dou, quick. Ou pas, j'aime tendre au parler. Ou pas, ni prendre micro la presse, yo pas, ni faire conférence de presse, yo pas, ni faire arrêt de travail, rien. Mais jodi an la en pile nan yo comme si tizan mi te ba yo job c'est DG que te ba yo job c'est DG yo nan même clan avec DG yo nan même association gen groupe gang pa yo y a financé comme si yo gen groupe gang pa yo y a protéger disons yo gen groupe gang pa yo y a travaille pour yo gen groupe gang pa yo c'est yo même qui responsable pour pas fouiller ou bien pour fouiller mal bay mauvais compte rendu pour permettre à ce que zam yo quitter et douane nan pour aller joindre gang yo joindre bandi yo donc c'est normal pour yo revendiquer. C'est normal je dis pour nexao pour yo camper pour yo dou yo observer un arrêt de travail yo pas de travail d'autant déjà a pas venir est-ce là tout oui si n'te gen pays si n'te gen commissaire du gouvernement qui t'a fait travail li tout nexao qui dou yo camper travail d'autant déjà a pas venir faut pas commencer enquêter sur yo faut pas commencer enquêter pour qui relation profonde yo gen avec DG Bel Romel qui ça fait nèg la dou si DG a pas tourner le travail alors que DG déjà, il y a des soupçons qui pèsent sous dol. Qui est-ce qui a levé un soupçon sous dol? La justice. Qui est-ce qui a condamné? La justice. Et le fait que je dis, oh, ouais, Nobel Romel, l'éternel, il y a une sale image institution. Il y a un trafic d'âme, une corruption. Ou y a une sale image institution. Il y a un intérêt qui est là pour ne pas démissionner. Il y a un intérêt qui est là toujours pour Ariel pas remplacer lui. Mbara qui intérêt qui gagne là toujours qui fait Ariel pas remplacer Bel Romel et Ariel qui premier ministre qui remplacer nèg là fini jodi an là di l'on parler de douane dedans pays son institution qui entaché son institution côté ou directeur dans trafic d'armes directeur dans confiol à gang à bandi qui soit attendre qui soit attendre. C'est comme si Haïtien n'est pas prêt pour salir. Haïtien comme si ou vient rentrer dans logique c'est corvée 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 continue. Est-ce que le bon? Parce que bon, hypocrisie ça nous aller avec trop loin. Nous aller avec, c'est pas parce qu'on a 50 goudou à défendre par mes directeurs. C'est pas parce que les directeurs mettent en position pour pas checker conteneur ou bien mauvais rapport plutôt. Qui fait toucher 500 millions, 2 millions, 3 millions dollars américains dans confiolo à gang bandi pour faire intérêt ou passer avant intérêt toute population, passer avant intérêt pays. Parce que qui ton conteneur zam, qui ton machine zam. Quitte Paul pour la jouer dans le groupe bandit. Ça, c'est à vous faire, non seulement c'est à vous faire payer. Parce que les gains de sécurité, pas gagné qu'à marcher, non? Les gains de sécurité, pas gagné qu'à fonctionner, non? Jodian, heureusement, yon libéré un médecin pédiatre qui a été kidnappé sous 20 jours libéré. Mais c'est près de 20 jours, oui. Nos petits frères et sœurs gagnent fermé. Oui, 20 jours, parce que d'autres n'ont pas libéré médecin, ils ont prêté fermé. Yo t'a prêté ferme yo pa ta fonctionner ou pa gen l'hôpital nan pays ou pa gen travail nan pays ou pa gen business ka fonctionner réellement nan pays ou pa gen création d'emploi nan pays et puis qui ça nous choisit monter augmenter insécurité hein augmenter criminalité hein bay plus accès pour zam rentrer bay plus accès pour gen gang pour gen bandi et ces derniers temps là
Non, dernier jour, ça, là, c'est multiplier, gagner, multiplier dans le pays. Soyez criminogène, c'est multiplier, multiplier, parce que qui ça gagne? Qui ça? Mais yon gagne accès, yon gagne accès pour acheter des âmes dans mes autorités. Yon gagne accès pour autorité financière. Yo. Donc, on pral dire que Nexal pral prendre pression dans la police, que Nexal la police a dépersuadé. C'est corvé en fait, c'est corvé. C'est ouais, on a demandé la police pour prendre responsabilité, on a demandé équipement pour payer un achat, accompagnement, etc. Mais nous venons rentrer dans la logique là, monsieur policier, nous censé mettre au fait corvé pour nous. Pourquoi nous prisons mettre au fait corvé là? Ou pas y a la justice qui fonctionne? Yo arrêté délinquant, arrêté bandit pour un, ou je n'en juge qu'à libérer le pour deux, ou je n'en sénateur qu'à prêler, qu'à passer appel, ils sont papa libérer le pour lui. Ou jeune ancien député qui a prélé, qui a fait libérer. Ou jeune nègre opposition qui a prélé. Ou jeune nègre dans le pouvoir qui a prélé. Ou jeune nègre dans le secteur privé qui a prélé. Eh bien, qui ça la justice est là? Qui ça la justice est? La justice est tout le monde savonne. Pas de justice pour malheur en deux pays. C'est justice pour grand nègre qui gagne. Parce que petite soyette là, les arrêtés. Les arrêtés, ils ont fait la détention préventive. Yo kembel la pa, li gen 10 ans pa passe devant juge, alors que infraction le commet la, son infraction t'a puni pour 2 ans, t'a puni pour 3 ans, li gen 10 ans là, li gen 10 ans là en prison, pa jamais passe devant juge. Pas de justice pour malheureux dans le pays ça. Donc pour venir dans une situation, mais qui ça? Yo utilise petit soyet aujourd'hui, yo ba yo zam pote sous prétexte c'est papa yo, sous prétexte c'est boss yo. Il a marré, il a libéré. Mais on pas jamais pensé que pire devant ça pral pire parce que bon dou la police c'est dernière force nous garder dans pays. La police c'est dernière force ou mettre faire sorfe, ou mettre ouvert corps jonvler l'heure pour stopper, l'heure pour ba au sac vinn pour y a baoul. Ou bon bout de fait illégal, bout de fait sans papier dans mon, ou pense qu'a fait la loi, ou pense c'est mettre pays ou c'est chef pays. Non. Pas penser que parce qu'on est sénateur, on est député, on est pouvoir dans le monde, on est protégé, on est voué devant, on est bon l'argent, on est fait kidnapping, on est bon fait job bouillon. On est prêt à nous servir en retour. Qui veut jouer dire, on pense que c'est mettre pays ou c'est chef de la gang, de la cartel qui gagne dans la République. Non. Jou nous gagne pays, jou nous commence à faire pays tout bon. Ou pralwe, nèg sa yo sénateur, député, nèg pouvoir, nèg opposition, grand bourgeois. Pas de bagay comme ça. Tout nèg sa yo gen pou répondre question la justice. Parce que nous pas ka chita, volontairement, consciemment, nous empoisonnons le pays comme ça. Nous empoisonnons la jeunesse comme ça. Jodi alors parler de jeunesse pays, n'a fait référence. Nous pas ka faire référence pour jeunesse sa pour la relève, non? Nous pas ka croire dans jeunesse sa moi à terre là comme la relève pays, comme avenir pays, non? Non! Avenir pays, mes amis, j'ai l'impression que c'est petit monde qui n'a pas maman pour les autres. Parce que vous n'avez pas de petit pépinière aujourd'hui là. Vous n'avez pas de petit pépinière, vous êtes orienté. Vous êtes orienté parce que moi-même, j'ai essayé de voter pour qu'on a passé. Petit monde qui chante l'attendé, c'est Iso l'attendé. C'est Iso. Aujourd'hui là, vous avez petit monde qui a grandi, c'est Iso pour l'attendé. On gang, on bandit, on chef notre, on chef de gang notre, comme ça, qui fait promotion violence, qui a montré belle chaîne, belle ceci, belle cela, avec l'argent kidnapping. Non, nous ta honte, non. Faut que nous ta honte pour nous dire aujourd'hui, là, nous ka kwè, nous ka espéré bon Haïti avec nèg sa yo nous gen là. Avec autorité sa yo, avec génération parlementaire sa yo nous gen là. Faut que nous ta honte, franchement. Et là, là vraiment, non, nous revenons au cas, nous revenons au dernier extrême. Parce que à plusieurs ouais pendant pour moi ça là me fait plusieurs expériences avec autorité l'état et m'ba yo legen pour qui ça m'bra le dos nous gagne dossier ti avion qui t'est tombé depuis le ti avion ça a tombé m'quoi début mes zone 4 mes baïsa yo Jacques Lafontaine ça encore tourner sous commissaire gouvernement ça inutile qu'elle lié Jacques Lafontaine pourquoi j'en t'entendre il convoqué directeur au FNAC là pour venir répondre une question. Allez voir pour ta convoquer ti met avion. Li pa jan fè rien, pa jan fè oh merde. Et puis moun sa yo ki perdu, yon moun sa yo ki mouri, yo mouri pour détruire yo, fami yo perdu. Fami yo perdu l'état haïtien pa dwe yo rien. Yo pa dwe yo justice, yo pa dwe yo réparation. Ça son pays. Nous gen autorité, nous gen la justice. Nous avons un groupe gang qui a protégé gang pareil. La justice qui t'a supposé dernier recours, leur lésé, leur violé droit pour t'aller porter plainte. Pour t'aller porter plainte pour gang, pour délégué, pour criminel, mais son groupe gang qui a protégé groupe gang pareil. Dis-moi bien.
pas aucun suivi qui fait depuis le petit avion tombé à jusqu'à aujourd'hui. Directeur douane, au lieu de nous monter dossier pour nous marier nègre, nous faire le sauver. Et puis nous dit, nous travaillons pour le pays, nous travaillons pour la sécurité, pour la stabilité. Ok. On nous prend un petit peu de regard, je vais retourner après. Nous avons deux produits à eux, qui sont des outils et des bâtons. Ils ont chaque vie dans trois phases, trois étapes, trois dosages. Ils ont chaque, c'est pour un mois d'utilisation, pour faire un traitement de 90 jours chaque. Dans des outils, c'est une pommade qui est faite à partir de 8 produits naturels. Il parle décalcifier corps cavernaux, tissu spongieux pénislant pour augmenter l'élasticité tissu des membres. Il a pour optimiser la santé générale. Il est composé à partir de graisse blanche médicinale. Et but ultime, c'est que l'organisme produit en pile hormone testostérone qui prend la roue, ça les libido. Il va faire ça en plus fluide pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme pour qu'il joigne une érection plus ferme. Pour plus d'informations, relevez 514-8-86-97-76. www.zestofmoringa.com. Nous tournons après petit pause Moringa et nous avons monté trois prix, bah me dis non. Et hier, gros ami qui écrit moi carré parce que bien dit comme ça, Yannick, on va faire promotion et gars outil est bon. On va acheter lui, on me dit on moi m'utiliser lui, on t'a li ta reme voye rezultat bon moi. Est-ce que nous t'a déposé? T'as pris sous les amis. Moi connais rezultat déjà, moi connais un rezultat, mais pas besoin voye rezultat bon moi. OK? Merci la direction. Maintenant, et moi faire place avec Espace International. Moi gagne Mackenzie Glogens Guerrier qui avec un panel là qui pral parler nous de dette indépendance. Nous sommes en 2004. Époque, oui, c'était dans l'occasion et ancien président Aristide il t'a pral commémoré 7 avril date assassinat date bon, pas assassinat date date la mort tout Saint Louverture et puis il était tout profité mandé la France payer réparation restitution 150 millions de francs ont été fait nous payer pour l'argent indépendance noire. Et bien histoire ça pour l'histoire et pour la vérité. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de haïtiens qui ne connaissent pas si nous avons payé la France indépendance. Il n'y a pas de monde qui ne connaissent pas. Je dis à nous libres. Nous sommes un peuple qui est libre. Ok, pas de problème. Nous avons bataillé pour l'indépendance. Mais en dépit du fait, nous avons bataillé pour l'indépendance. Nous avons payé, nous avons rançonné nous. Et comme si nous avons kidnappé Haïti après le fin libéré, nous avons kidnappé, nous avons mis un double dette sous le lit, nous avons prêté l'argent pour payer. Et en retour, 219 ans après, ils mettaient pied sous cou nous encore parce que ils constituaient BINU, ils constituaient corps groupe, ils même encore, ils ont déchiré pied. Ils ont fait tirer ça. Donc, histoire ça, vous supposez qu'on est qui impact lien, impact sociologique, impact historique. Mais tout, je dis, si vraiment Haïti besoin restitution comme ça, ils ont besoin pour la France de remettre nous comme ça, une façon pour nous faire. Bon façon pour nous faire li et avec panel ça déjà mande nous excuse parce que nous pral et son pas fin trop en forme mais apprécier travail qui fait là apprécier son pral tande yo parce que nan pays yon m'ap di nou ça gen paquet jeune gen paquet jeune qui gen talent gen paquet jeune qui gen talent gen paquet jeune qui bien formé gen paquet servant de dans pays c'est seulement payant autorité pays nous pas créer conditions pour jeunes ça évoluer, pas créer conditions pour jeunes ça épanouir ça gagner comme connaissance, comme savoir. Mais nous-mêmes, d'autant nous là, d'autant nous vivant, d'autant travailler ça continuer, faut que jeunes yo ka fait voir au passé, faut que jeunes yo ka mette capacité en valeur. C'est pour ça yo te apprendre, yo gon pays pour yo servir, yo gon communauté pour yo desservir, donc n'a obligé continuer avec travail ça. Donc, m'invite à rester attentif, rester connecté. Et avant d'aller, faut que moi dis non, jouji moi scat. projet fait des merlan, li bel et bien, presque rivé là, presque accompli, tout bagaille presque fin paré là, fin fête pour nous aller célébrer fête des mères avec sans maman, sans femme jam, sans femme courage qui pas peu chaille, qui pas peu bataille. En dépit de tout problème la vie, en dépit de tout problème pays, mais gen moun ki a viv, gen moun ki vle viv. Sou wè moun nan li pa peur,
on ti la et trois têtes là et là dedans. On ti point un piment là dedans pour prendre la rue pour aller bousquer la rue moun sa et femme jam femme courage. Nous supposer petit coulier nous ka encadrer, nous encadrer. Nous supposer petit coulier nous ka aider le grandir, aider le grandir. Parce que si n'attend ces autorités l'état, n'attend ces gouvernement, n'attend c'est un tel qui fait n'a pas fini sous pied. Je nous ai nèg yo faire complot, dé pas fini pays en sous pied. Et bien c'est comme ça chaque grand haïtien a dé pas fini sous pied. Et bien objectif là c'est avec $25 US ou bien 2500 goud. Ou même qui voulait supporter projet ça pour 29 mai pour dimanche qui vient là pour nous apporter solidarité nous pour nous apporter support nous pour 100 maman ça yo écrit me relève sur numéro émission 38 96 38 19. Eh bien, nous allons faire place avec Espace International avec Mike and Love Glorgans Guerrier qui lui-même li pral pote qui joue pour nous. Oh oui, mettez-vous attentif, mettez-vous sous ça parce que faut qu'on histoire pays, faut qu'on ait comment nous réagir vraiment, quel comportement l'autorité doit adopter si vraiment vous voulez la France payer restitution 150 millions de francs. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la rubrique Espace International. C'est Mike and Love Glorgans Guerrier qui est ensemble avec nous. Donc, nous connaissons, je dis à nous, content pour que nous puissions rentrer là pour porter une belle rubrique ça pour vous. Il y a une rubrique côté que nous avons présenté une autre thématique, une autre façon. Une façon côté que nous allons essayer de comprendre la question d'être indépendant de ça, pendant toute période ça qui a fait parler de nous. Et pour capable présenter une rubrique ça, nous avons remercié tout staff là qui mettait disponibilité plus d'heures pour nous capable faire une rubrique assez spéciale. Dans la mesure où que nous avons bien ensemble avec nous, deux trois invités. Donc, Pascal Philippe Jules, qui est juriste et internationaliste, qui est connecté avec nous depuis la République dominicaine. Nous avons en studio avec nous Richard Célestin, qui est juriste et historien. En même temps, nous avons Iveski Anderson Pierre, qui est anthropologue et internationaliste. Ensemble, nous allons regarder qui Jean Bagayoye, nous allons comprendre qui ça qui a passé sur scène internationale là, comment d'être ça lui-même lui représente un poids véritable pour développement économique et social pays. Hein? Dans quelle perspective, comment que nous sommes capables d'essayer d'utiliser la coalition internationale ou bien diplomatie pour que nous sommes capables de porter au moins un élément de réponse par rapport à la situation sans que Haïti lui-même a fait face. Et New York Times lui-même a sorti un article, lui-même qui publié samedi 21 mai 2022, côté que il mettait en prélude tout ça qui était passé dans la question ça, il a condamné la responsabilité à la France. Qui permettent que jusqu'à maintenant, bien ça a eu lieu en scène d'extorsion, corruption, qui lien ça avec déstabilisation pour capable vivre et comprendre la situation que descend aux enfers, qui a été les mêmes faire face ensemble avec nous. Et bonsoir Pascal, bonsoir Richard, bonsoir Iveski. Son plaisir pour nous d'avoir ensemble avec nous dans l'émission aujourd'hui qui c'est Espace International. Salut aux guerriers et merci pour l'invitation. Aïe, beaucoup pour nous tous qui là, et merci guerrier, merci à tout le monde qui est sur le panel là, merci à tout l'auditeur. Et nous comptons journée aujourd'hui là avec nous, nous pourrons le brasser du bout. Pascal, bonsoir Pascal. Nous avons dit bonsoir avec tout staff là et avec tout auditeur, auditrice captain de nous. Et en fait, c'est un plaisir pour nous capables de participer avec nous dans aussi grand débat jeudi à que nous espérons qu'après le fructueuse. D'accord, merci. En fait, tant qu'on nous connaît aujourd'hui, nous avons fait une rubrique assez spéciale, une façon que nous prenons plus de temps pour permettre que nous capables vraiment passer en revue tout aspect qui est dans la question. Hein. Nous avons plusieurs monde ensemble avec nous, comme nous sommes présentés et nous-mêmes nous faisons fiche technique. Là. C'est que nous avons quelqu'un pour capable parler sur la question historique. Là. C'est peut-être ça que nous avons demandé, Richard. Selon vous-même, comment on comprend une question ça et qui ça veut dire vraiment, qui est très historique, qui est capable d'expliquer globalement, qui j'en sais. Ça t'est passé, expliquez pour nous, capable de comprendre. Guerrier, question réparation, c'est une question qui est vraiment importante dans la mesure où les météos prises, justement après publication de l'article New York Times, les météos prises ont une partie dans l'histoire d'Haïti qui peu reconnue. Ça a été l'histoire financière, Haïti gagne ensemble avec la France, Haïti gagne avec les États-Unis qui vraiment mettent nous dans nos positions qui empêchent nous de gagner un développement endogène. N'a vraiment pas comprendre à propos de l'esclavage islam, la révolution 1804 la ville met fin à la donne. Donc
vin gen yon période presque la période de la restauration qui sont période post-napoléonien côté que la monarchie retourne en force comme régime politique et à partir de là yon fait pression sur on est tant pour Charles X lui-même nan pour lui commencer avec processus de réglementation de dette ancien colon qui était estimé qu'il était perdu plantation coloniale yo avec révolution. Donc nous connaît en 1825 sous la pression diplomatique dont est qui relait le baron Marco qui c'était un émissaire de Charles X et puis avec une flotte de plusieurs bateaux de guerre qui définit une pression militaire qui commençait avec pratique ça qui est la diplomatie de la colonie en Haïti. Donc qui vient forcer justement la mer avec Boye avec toute corps politique là parce que c'est pas seulement Boye qui était responsable, tu as des sénateurs, tu as des députés, ensuite des membres qui étaient dans corps diplomatique là qui était institué, qui était constitué régime politique là à l'époque qui signait et ratifiait ordonnance ça qui sont ordonnances qui était mettait nous en opposition pour nous payer plus passer 150 millions de francs mais après tu viens une renégociation et puis à partir de 1836, il vient descendre à 60 millions de francs. Mais nous commençons à payer li, et puis nous venons côté avec Soulouk que paiement ça lui même là vient camper. Donc le Soulouk vient tomber à partir de 1848-1850. J'ai froid recommencer avec reconnaissance diplomatique ça que États-Unis vient ba nous que l'autre pays vient ba nous donc nous venons recommencer payer. Donc pour nous payer il a fallu que nous prêter dans main des banques privées françaises pour nous payer l'État français. Ça veut dire que son double dette, même Jean nous a dit son triple dette, parce que nous devons d'abord l'État français, nous devons banque que nous prêtons dans le meilleur, et puis nous devons intérêt tout que Roumain, que auteur qui est Roumain, qui écrit un livre sérieux, qui est mes 60 îles de la Caraïbe, qui est ça, les dettes souveraines, ça veut dire que ce sont des dettes qu'on a toujours payées, comme si parce que et capitaliste international là surtout sa section financière même yo accepté yo ça c'est une loi justement dans mode de fonctionnement yo pour yo ka kembe ti pays yo ancien territoire colonisé dans coup réglé parce que le capital international surtout la section argent son capital qui supposé en circulation et circulation ça mandé pour gagner une certaine relation de dépendance entre les pays colonisés et les pays colonialistes. Mais qu'on a coupé dette ça, surtout la question de la dette souveraine, l'État haïtien va l'obliger à partir de Michel Domecq faire des emprunts. Et emprunts ça a fait dans main des concessionnaires français, dans main des concessionnaires étrangers, par exemple allemands, Angleterre, pour qu'à notamment gérer question déficit budgétaire là et puis payer des fonctionnaires et qui travaillent dans l'État haïtien. Mais qu'on est à partir de 1898, les États-Unis viennent développer l'aile impérialiste, notamment avec sa victoire sur l'Espagne, notamment avec la guerre cubano-espagnole, qui mettait les États-Unis justement dans l'ist pays colonial. Donc à partir de là, la doctrine de Monroe a vraiment gagné sens. Et il commençait par occuper Porto Rico, il commençait par occuper l'île Vierge, il commençait par occuper République Dominicaine et puis il vient arriver sous en Haïti de 1915 à 1934. Mais ça qui vient arriver, ce sont sur ces mêmes fonds colonialistes, ce sont sur ces mêmes fonds de capital étranger, surtout la section de la finance, que les États-Unis lui-même dans les vins chita impérialiste financier. C'est-à-dire la dette que Haïti même dit c'est supposé payer avec des banques occidentales, spécialement avec des banques françaises, ils viennent racheter à travers de ça, le National City Bank. Donc, avec le contrôle des douanes haïtiennes et la finance haïtienne, non seulement on a payé États-Unis et l'intérêt que nous gagnons, c'est États-Unis nous prenons le pays. Et nous pas oublier que nous avons plus ou moins autonomie financière ensemble avec les réserves que nous avons avec la Banque nationale d'Haïti. L'opération Matias, qui est une opération que les États-Unis mettent sous pied, ils ont fini son hold-up, ils ont entré dans les réserves de la Banque nationale, ils ont volé les réserves nous, qui plus passer, qui estiment plus passer à 500 000 dollars américains selon un nec qui est là et où j'ai gagné. Donc, réparation, ils viennent après nommer. Ils mettaient aux prises une partie historique que nous connaissons, donc un débat vraiment intéressant. Et nous avons gardé pour nous, est-ce que l'État, justement, qui a supporté les revendications, notamment, qui a commencé à faire avec Aristide, c'est une raison de renversement, justement, qui a traversé une période critique dans l'histoire d'Haïti.
Là où on a essayé d'entrer dans l'espace international, là, on a essayé de faire transition avec Ivinsky pour nous comprendre et qui est très anthropologique. Est-ce que sociologiquement parlant, vous pensez que le pays ça a les mêmes les prêts, ensemble avec le mode dirigeant actuel, yo, est-ce que vraiment une bataille pareille est capable vraiment porter des stratégies, des réponses valables pour permettre que vous êtes capable de jouer comme ça, pour vous capable de jouer une réparation, même déjà que les États-Unis lui-même fait déjà ensemble avec plusieurs autres pays en Europe. Bon, et merci Mackenlove et camarade Norwich qui a fait un bel rallye historique sur question qui a félicité. Maintenant, intervention PAMNAN, c'est faut nous dire exactement à public à côté nous qui est-ce qui était payé tête là. Parce que immédiatement que Haïti vient indépendant, Haïti vient en situation côté que il représentait un danger pour l'ensemble des pays de la zone, pour exemple que je citais, parce que pas oublier que la révolution haïtienne a trois spécificités majeures, qui ont spécificité tout, mais c'est anti-esclavagiste, anti-ségrationniste et anti-colonialiste. Et dans la région, la colonisation, l'esclavagisme, elle a non, même aux États-Unis, les États-Unis d'Amérique à l'époque qui étaient indépendants, esclavage étant toujours à faire fureur et dans zone ça. Mais maintenant, ça que nous avons même été accent sur lui, c'est que, pas oublier que après l'indépendance, vous gagnez l'union, ça nous est l'union des Noirs et des Mulattes qui dominent les pays à l'indépendance. Tout de suite après l'indépendance, vous venez de notre système, nous sommes capables de qualifier après Jacques-Séphane Alexis, selon Jacques-Séphane Alexis, de semi-féodal, côté que c'est les affranchis Noirs et Mulattes de l'époque qui viennent diriger colonial. Mais maintenant, pour d'être ça payé, qui est-ce qui paye elle? C'est la paysannerie haïtienne qui a payé cette dette. C'est-à-dire que son dette, d'un point de vue anthropologique, on est capable de dire, tout esclave ça qui était mené vie dans la colonie, qui sont dans diverses régions de l'Afrique, que ce soit les Arada, les Dahomey, etc., notre tribu, c'est le monde ça même qui paye d'être là. C'est-à-dire que le monde qui a subi le système dans ce pays d'être là, et ça fait fureur, ça fait parler en pile dans capable dire dans l'opinion publique là. Il y a des communistes français qui font bel travail sur ça. Il y a Thomas Piketty. Thomas Piketty parlait de ça en pile. Et Fon dit tout, c'est pas seulement Haïti qui paye d'être là, d'être indépendance. Il y a l'autre pays là qui était sous colonisation anglaise, qui était préparé tout. Par exemple, le Maroc. Oui, exactement. Le Maroc, c'est un peu plus loin. On parle de pays qui sont dans la région. C'est-à-dire que c'est, et on est capable de dire, la paysannerie haïtienne, les descendants directs des esclaves africains, de point de vue sociologique et même anthropologique, parce que l'ordre de l'anthropologie physique, c'est Mounsa ou c'est pas presque une différence entre un Arada et un Nègre, par exemple, qui a vécu à la campagne haïtienne, c'est pratiquement les mêmes barrières là. C'est-à-dire que c'est, on est capable de dire, les esclaves, ou du moins les descendants d'esclaves qui ont payé cette dette. Et pour nous, statuer sur et porter anthropologique et sociologique question. En fait, qui t'a pris une réaction? Est-ce que vous pensez que vous avez opposé ou vous dites totalement que vous-même vous va rentrer dans telle démarche par rapport à proposition que la France fait ou bien imposition? Ou dit clairement que voilà, et dans le contexte et pays a lui-même été trouvé la suite après l'indépendance, que la France lui-même a fait stratégie pour permettre que pour reconnaître l'indépendance, d'ailleurs, c'est le premier pays qui reconnaît l'indépendance en 1825. Donc, pour nous être capables, pour être capables de nous reconnaissance internationale, ça a exigé pour nous payer. Est-ce que Boyer, selon nous-mêmes, a fait une autre façon ou bien camper en opposition? Si nous regardons dans l'histoire, ce n'est pas Boyer qui vient ensemble avec le concept dette, le concept paiement. Parce qu'à l'époque, la France était toujours hostile ensemble avec Haïti, ensemble avec l'indépendance Haïti, par rapport ensemble avec question de pensée, par rapport avec l'image que le voyait bah, occidental avec l'autre pays qui a fait résistance à l'époque. Mais quand on est là, Pétion, qui était le prédécesseur du Boyer, il dit que pour Haïti arrêter en paix, pour qu'on processus de développement de nos jeunes qui a soupié, on nous proposait pour nous payer de l'indépendance. Donc, Pétion vient mourir en 1818, Boyer vient prendre pouvoir à partir de 1818, donc Boyer lui-même, c'est lui qui vient concrétiser. Mais j'aime te dire tout à l'heure, ce n'est pas une question de Boyer. Donc, l'histoire d'Haïti lui-même, il est toujours chita responsabilité, parce que si on regarde de façon géographique, qui c'est l'histoire chef d'État, il y a toujours la guéchaï là sur un chef d'État. Mais pas oublier, c'est ton régime politique qui était dirigé par Boyer. Donc, j'aime dire là, c'était des sénateurs, des députés qui ratifiaient. Parce que le Parlement, à l'époque, était grand pouvoir. Mais
Vous avez dit un concept là qui est vraiment intéressant, c'est le concept de la reconnaissance internationale. Parce que le système international économique, là, c'est lui-même qui a finance, là, c'est lui-même qui a reconnaissance diplomatique, là, c'est lui-même qui a relations commerciales. Donc, Boye lui-même, dans le souci, c'était retiré à Haïti dans la question isolement de subi. Le pays a été subi. Donc, on a là, c'est ça qui fait souci des élites à l'époque, spécialement les dirigeants politiques et économiques, puisque les relations commerciales ont même été officialisées avec les commerçants du Bodmer, etc. Souci, c'était reconnecter justement ensemble avec le système économique international. Mais Jean-Yves, ce qu'ils ont dit là, ils ont décidé, mais ce n'est pas eux-mêmes qui travaillent pour payer, donc c'est sur la paysannerie haïtienne et dominicaine. Faut nous dire parce que à l'époque pays a été fait une et c'est une raison tout donc bien que l'histoire pas vraiment développée qui était portée justement dans le renversement Boye en 1940 notamment avec un acteur Boudouaté qui était chef de l'indépendance de la République dominicaine parce qu'il pas d'accord avec sa régime politique Boye a été bail comme réalité sociale. Oui, en fait pour nous entrer dans la page internationale là c'est Pascal qui est là avec nous. Pascal surtout nous t'a connaît parce que nous connaît révolution haïtienne peut-être pas c'est pas on bagay ki te rete du fait dans celle coup qui éclaté mais surtout ça te prend racine dans cérémonie Bwakayman qui était faite du 22 au 23 août 1791 côté qui te vinn accoucher ensemble avec l'idée ça et révolution haïtienne même j'ai parce que ce dit était perçu comme anticolonialiste antiségrégationniste et anti-esclavagiste dans la mesure où que après révolution moi te gen en pile bataille qui te continue à faire idéologie pour garder qui est-ce qui était capable de bien dans la région. Donc par rapport à tout ça, anticolonialisme lui-même n'est pas allé clairement côté que yo interdit pour français eux-mêmes yo gain des biens dans colonie. C'est ça qui t'a pas venir poser question. Yo t'ai essayé vle présenter comme une anomalie et situation Haïti a, li pas vraiment normal pour que t'a accepté reconnaître yon indépendance yon peuple nègre qui sous scène internationale là côté que les États-Unis et tout l'autre pays eux-mêmes yo t'ai gain système esclavagiste la kayo côté que c'est nègre qui t'a quitté esclave qui t'a fait marché économie. Donc Pascal ou même dans région ça par exemple dans époque ça c'est qui gens ou pensaient que les sociétés internationales là lui-même était fonctionner qui gens selon ou même ou pensaient que yo était mal agi sous capable faire liaison ensemble avec les aspects juridiques qui sûrement et surtout qui gens pensaient que Haïti lui-même est capable posséder pour plus ou moins capable garder comme un tirer profit de opinion internationale ça qui commençait à répondre sous lui qui commençait à faire réveil sous situation Pascal. Et en fait, nous avons un peu de bagaille nous sommes capables de dire, mais nous avons un bagaille nous sommes capables de dire avant tout qui parlait des effets domino dans la question de relations internationales. Nous sommes capables de dire, nous avons un système international qui prend compte depuis 1648 avec traité pour nous parler de question de qui mettait guerre avec la fin de la guerre des 30 ans qui a ravagé l'Europe. Eh bien, ensemble de systèmes internationaux, ça, les constituer en façon de ensemble des pays composés d'États internationaux. Maintenant, dans le fonctionnement, à partir de nous capables de faire des découpages historiques pour nous avancer, eh bien, l'État a fonctionné entre eux, l'Europe était plus ou moins en stabilité. Ça qui vient de rentrer, il y a une mise à travers le temps sous colonie qui n'a pas de pensée du tout, il est capable de jouer avec un revers de face que la communauté internationale est capable de briller, plus précisément occidentale, est capable de briller en priorité du siècle. Pour qui ça? Parce que nous prenons effet domino par rapport à la question de révolution qui a passé la France de 1789. Eh bien, conflit qui te gagne pour question et mutilement de Louis XVI, comme moi, tout ça honnête, vient faire que système dans janvier la France là te posé un pile problème. Eh bien, dans même pas qui te gagne la France, qui te gagne Haïti comme colonie, vient faire que te gagne un bouleversement sous l'île là tout. Ça qui pote à beaucoup de révolution 1791 dans qui pas privé abouti, mais qui t'a pas pris place comme si pour finaliser le travail à l'indépendance là, mettez-nous dans une condition que. En dans instabilité qui gagne dans l'international là Haïti profiter lui-même pour le retirer tête li parce que si on a un conflit tellement important dans même moment Napoléon Bonaparte t'a fait toute salle d'affaires ou t'a fait campagne les t'a fait blocus continental avec Angleterre il était obligé de trouver une situation pour vendre la Louisiane avec les États-Unis pour gagner assez quoi pour conserver colonie Haïti malheureusement bah yo pas trouvé la faveur. Nous mêmes qui viennent paraître victimes de qui ça, en dans ça, nous sommes capables de l'absurdité du siècle là, c'est parce que, en plein essence, côté que nous sommes capables de dire question colonisation atteint l'apogée, et puis pour Haïti, on bagaille pareil. Nous sommes capables de dire ce bagaille parce que nous avons un thème créole.
pour montrer que j'ai pas paraît gain valeur pour société internationale là, mais pour nous même il vraiment gain un sens. Et bien comme chose nous pas subir comme répercussion, communauté internationale a estimé de couleur raciale nous pas gain droit faire ça nous faire. Yo senti faut que yo mette yon dette sous nous et bien avec pression militaire tout pour nous capable gérer ça. Surtout Pascal, l'armée précisait que et l'armée napoléonienne là lui-même il était gain 50 000 hommes, ça veut dire 50 000 hommes soldats blancs qui viennent échouer par des nègres de toutes les nations européennes. C'est pas seulement français qui était là, il y a polonais, il y a italien. Disons c'est l'Europe que nous battons même dans penser dans vision du monde là. On va continuer Pascal. Effectivement, et puis on parle du général Yuri, le général Leschambault comme qui gradué comme meilleur professeur meilleur élève dans promotion que Bonaparte engagé vin Haïti sous territoire là pour venir instaurer la paix, pour venir restaurer l'esclavagisme ici et puis nous faire des fêtes avec un ensemble de soldats piaté parce que pas de gens qui font vraiment pour tout banner comme si tout ça était en absurdité. Et bien en dans situation ça je dis il y a pas le manipuler non non façon après 13 ans de guerre. Nous vivons une économie qui pas répond vraiment vrai par rapport à ça qu'on fait parce que nous avons supposé préparer quelque bagaille. Et bien, c'est dans le même intervalle, tout de suite, nous tirer en PREA, ça veut dire vision nation pour te constituer, l'y participer parce qu'on a nation capable de former dans deux façons, soit le former par une sorte de constitution qui réunit un référendum, ou bien ensemble de monde gourmet, yon ban nation. Même genre l'État pas nous en te fait. Et bien, les États-Unis, comme puissance à l'époque dans la zone, nan, il voit qui ça nous fait comme impact et c'est toujours garder l'esclavage à la Cali comme un système. Et bien, il n'a pas décidé de reconnaître l'indépendance d'Haïti, ça qui t'a pris une période de 60 à 62 ans pour reconnaître nous-mêmes comme indépendants, côté qui t'a pris le voyage en 1865. Ambassadeur Benjamin Franklin Widen pour reconnaître parce que la guerre de sécession t'a pris le grand fin, c'est dans la même époque ça, puis il a besoin de porter un paquet noir. Qui a sorti les États-Unis pour venir à Haïti, dans souci pour répondre à la déclaration que Dessalines fait, de dit de vous besoin libre, de vous toucher territoire Haïti, quel que soit côté des esclaves, de vous toucher territoire libre. Déclaration ça a été toujours qu'un bio. Mais dans le même intervalle, l'algon l'autre effet sur nous tous, c'est parce qu'il n'y a pas de bon reconnaissance économique et commerciale avec nous, dans souci pour ne pas porter révolution en bon côté par parce que vous êtes toujours dans des systèmes d'esclavage là. Et ça fait, je dis à vous parler, pour bon territoire dans ça là, pour bien. Pour gagner l'État fonctionner, pour gagner un territoire, pour gagner un gouvernement, pour gagner une population, il a ajouté une reconnaissance internationale parce que si on a des armes, il a servi en pile pour limiter, pour fonctionner avec, pour dire soit développer ou pas. D'accord, merci Pascal. En fait, nous t'avons mis des interventions sur ce point ça, surtout Richcad, parce que après, tout de suite après la révolution haïtienne, ils viennent imposer nous pour que nous capables payer, pour que nous capables de nous reconnaissance internationale. Monsieur Pascal souhaite expliquer là. Est-ce que selon nous-mêmes, c'est pas une autre forme d'esclavage et que nous rentrons directement là-dedans, tout de suite après une jeune nation pour exiger pour permettre les capables payer un cop que lui-même il pas même bien qui quatre fois la valeur du budget actuel que Haïti. Chaque question l'on pose, ils sont questions qui vraiment pertinentes. Et m'a profité de référer forum là avec mon capitaine de nous, un ouvrage que Benoît Joachim a écrit qui est les racines du sous-développement haïtien. Il y a un chapitre qui traite qui est le néocolonialisme en Haïti. C'est comme si nous décadons ensemble avec le processus de dette à partir de 1825, blanc tourné et puis il répatrie le système là, et pendant qu'il n'est pas souterrain, pendant qu'il est sous territoire initial, c'est lui-même qui a contrôlé financièrement tout ce qu'a fait sous territoire colonisé. Et pas oublier, pour qu'a fait infrastructure, développement, pour qu'a mettre en stabilité, pour qu'a fait développement moun ensemble avec développement pays, développement secteur, il faut que nous devons développer. Et blanc lui même dans l'il parti, avec ni capitaux ni connaissance ni matériel pour la développer l'autre territoire et puis justement pour l'entrer dans la révolution industrielle. Mais qu'on a nous même en tant que territoire, en tant que nation, en tant que pays qui besoin reconnaissance internationale là, qui chita question droit monde, qui chita question effectivité droit de l'homme là, nous même nous entrer tête baissée dans système international qui était déjà pas trop connaître nous. Et reconnaissance ça nous paye le cher, notamment en termes idéologiques, avec question néocolonialisme que Benoît Joachim décide et qui n'a pas de ensuite avec financière, mais vous voulez justement rapporter. Dans la formation sociale haïtienne, que on est en train de écrire dans le livre, nous avons prévu à comprendre les affranchis noirs et mulattes
qui était signé acte de l'indépendance, il n'y a pas de problème ensemble avec l'esclavage. Il y a seulement problème égalité civile et politique ensemble avec l'esclavage. Donc, reconnaissance en lui-même dans le vide deux bagages. Retour du système néocolonial haïtien et reconnaissance des droits civils et politiques. Là, ça veut dire que diplomatiquement, deux systèmes, ça aura toujours. Chita, bien que son relation de dépendance qui entre eux-mêmes. Ensuite, monde qui a travaillé la terre pour qu'à payer d'être de l'indépendance lui-même, tous les deux fractions sont d'accord ensemble avec c'est eux-mêmes qui décident. Et qui est important, c'est ça qui fait le droit lui-même, non? Selon ça, Hegel dit dans la critique de la philosophie du droit, c'est un zame politique qui entre dans des classes dominantes pour qu'à chita hégémonie ensemble avec extraction système économique là fait sous Massio. Okay. À partir de 1825-1826, le régime politique dirigé par Boye vient ensemble avec un corps juridique qui relève le nouveau code pénal. Et c'est à partir de le nouveau code rural. Et c'est à partir de code rural ça, il retourne ensemble avec un nouveau système esclavagiste qui ne porte pas ce nom. Côté que yon fixé paysan cultivateur à ce territoire côté la travail là. Et puis yon restreint justement la liberté de circulation pour le cas vraiment travail pour le cas payer d'être là. Et à partir de d'être là, ça qui est intéressant. Yon parti aller en France entre les mains et des investigateurs de cette dette et par le biais de la corruption, m'a cité les slipé en tout. Les élites haïtiennes yon même yon continuent d'aller dans la dette là, tout dans le cobla tout, parce que c'est eux même qui fixent les prix, c'est eux même qui mettent tête ensemble avec moun, vous connaissez qui d'un recap sorti, qui d'un recap implanté. Donc, la, yon territorialisé République d'Haïti en République qui l'a. Pour faire travail occidental là, pour faire travail manufacturier, pour faire travail qui soit agriculture là, pour que pays occidental ça a toujours été hégémonie. Ok, jusqu'à en fait, nous va gagner un peu de temps comme nous connaissons, c'est une rubrique assez spéciale qu'ils ont fait, mais surtout il y a des perspectives qui sont extrêmement importantes. Et tout à l'heure, nous évoquer dans l'intervention, au côté que président, ancien président Jean-Bertrand Aristide, en 2004, côté que lui-même l'État fait une intervention sur question 1, et il a gagné un gros impact. Honnêtement, monsieur, c'est qui ça qui est capable de faire actuellement? Est-ce que nous pensons vraiment qu'on peut de sortir pour Haïti, lui-même est capable de jouer comme ça, qui volait? Non, mais nous, est-ce que vraiment nous pensons qu'il y a une autre stratégie que Haïti lui-même est capable de faire? Est-ce que tout communauté internationale là, il n'est pas impacté par rapport à une telle démarche, de la mesure où que ça même gens que nous-mêmes nous avons commencé à lutter pour capable mettre fin à un système et esclavagiste, mais également pour permettre que nous capables de gagner. Et pas bah le ton ensemble avec les pays africains qui est victime de même système ça côté que eux même yo pas venir former tête en sorte de syndicat qui va être capable de demander réparation même ensemble avec Haïti qui puis bon les méthodes que nous pensons que nous allons utiliser actuellement pour permettre que nous capable pour jouer une réponse ça avec question ça d'abord après intervention Ivinski et puis après on a passé à Pascal Ivinski. Merci Mackenlove et pour question 1, bon, ça que moi m'a dit, c'est que nous constatons que au cours de ces dernières années, par rapport à qui sur l'esclavage, colonisation, qui est toujours mettre l'Occident en difficulté, il y a quelques évolutions qui fait. Parmi eux, quoi, et il n'y a pas de cela si longtemps, il y a une reconnaissance qui était faite au Parlement français de l'esclavage comme crime de l'humanité. C'est-à-dire que il y a un semblant, la loi d'Obéa, merci Richard. Ça veut dire qu'il y a un semblant, ou du moins, il y a une évolution qui a fait dans la question 1. Maintenant, pour nous arriver dans le semblant camouflé. On semblant camouflé peut-être mais quand même gagne un petit secret qu'on a fait. Pour nous arriver dans la question de restauration, faut que nous disions que restauration c'est avant tout une cause nationale. C'est-à-dire que restauration c'est pas l'affaire de parti, c'est pas l'affaire de président, c'est pas l'affaire de ministre, c'est pas l'affaire de groupuscule politique. Restauration concernait tous les Haïtiens parce que comme ça a été fait et dans un article New York Times qui est écrit, Negio a essayé mon tour, une jeune dame qui fait café, qui va à l'école, etc. Et que tout fait par là, on dit, parents, grands-parents qui payaient d'être de l'indépendance. C'est-à-dire que maintenant, c'est une situation liée. C'est-à-dire que c'est nous tous qui concernés par d'être de l'indépendance. Moi-même, proposition d'appel sur ça, c'est que nous avons une commission. Faut nous battre comme Jean-Jacques. Pour nous mettre en commission nationale sous pied avec des personnes intègres qui sont dans le pays. Nous très souvent pas exploiter, mais qui sont dans le pays. Nous mettons en commission sous pied qui pourra discuter des questions. Et faut que commission ça tout dépasser les rivalités partisanes. Parce que dossier de restauration de l'indépendance, son dossier, son réparation qu'a fait
pour le peuple haïtien dans son entièreté. C'est pour question qu'il a pour quel grand monde. Donc, question réparation, question restauration de la dette là, nous devons mettre sous pied en commission nationale. Elle fait lobby, elle fait lobby dans l'OEA, elle fait lobby dans l'Organisation internationale, elle fait lobby dans l'ONU, elle fait lobby tout partout pour nous joindre comme ça. Et comme ça, il doit servir la nation, pas de servir des politiciens, comme plutôt qu'arriver de servir des politiciens, il pas de servir des politiciens, donc c'est racheter servir des politiciens, il doit servir la nation haïtienne. Voilà. Pascal, c'est qui proposition t'as fait, mais surtout, l'aime considérer actuellement pays à lui-même, il a fait face à ça avec une grande crise. Il y a une crise institutionnelle dans toute forme, côté que nous avons un premier ministre qui a joué le président en même temps. Est-ce que vous pensez actuellement là, avec proposition Yves Kiyo, c'est possible, dans la mesure où il y a une commission simplement capable de faire face à ça avec les situations, ça, et capable vraiment de porter de bons résultats, côté que nous capable de commencer à mettre en place l'infrastructure pour capable de développement dans le pays? Est-ce que vraiment nous avons fait confiance ensemble avec des hommes dans le pays qui sont capables de monter la commission ça pour qu'ils finissent avec solutions que nous besoin. Pascal. Et il y a un proverbe dans la caillou qui parle de graisse cochon cuit cochon. C'est-à-dire que c'est dans mi temps nous pour faire des bagages faites et bon bah qui font d'autres proverbes qui disent ça laver dans mi temps famille. C'est normal, moi-même moi d'accord avec proposition Yovenskia, seulement moi-même je t'ai ajouté en commission patriotique. Pour qui ça veut dire une commission patriotique, m'ajouter congrès patriotique là, c'est parce que l'impact ça a gagné pour nous pas tomber nous dans le même schéma, nous t'es tombé derrière ici, c'est le premier dimanche. Parce que qui ça nous t'es prend là-dedans? Processus, nous t'es qu'à toujours juger au formel ou informel, mais nous t'as pas fait face avec un axe triangulaire, côté que nous Haïti, la France et la communauté internationale là, qui t'es constitué d'une façon qui t'es piégé, nous nous en affaire là. Côté que la France, c'est lui-même qui t'es plus visé. Mais étant donné que précédemment, il était non confié avec les États-Unis par rapport aux États-Unis qui entré en Irak, qui lui-même n'a pas de approbation, que Dominique Philippin, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui a fait déclaration du Rudrel dans les Nations Unies, eh bien, quelques mois ou 12 mois après, pour louer la même intervention militaire à Haïti, parce que ça a été indexé, il était obligé de servir avec la communauté internationale là, qui lui-même peut servir avec le principe d'interdépendance qui est dans le temps, puis il a légitimé une forme d'intervention en Haïti pour te bloquer nous. À tel point que, pour qui ça m'évoque le concept patriotique là, après j'ai filmé une opération où j'étais arrêté par le coup d'État en 2004, le gouvernement provisoire nous a gagné qui était composé de Gérald Lamotte avec ancien premier ministre, il te gagne monté à Jacques Chirac la France même pour te dire que Aristide son erreur il te fait et il demande pardon carrément, il dit il demande pardon pour les Aristide te fait à nous effacer question demande ça. Ça veut dire que nous avons une flatteur en pile sous qui non apatriotique dans mitan nous faut que nous ta travail sous ça ou bien pour nous qui est dans mitan nous qui a travaillé pour communauté internationale là, qui est qui a travaillé pour nous vraiment vrai parce que nous songe déclaration sénateur Lambert fait dernièrement. Les gouvernements de le président, il y a 25 ans de travail. C'est-à-dire qu'il faut nous capables d'épurer ensemble des flatteurs ça en mitan nous pour que nous ne soyons pas piégés depuis à la base. D'accord, merci Pascal. En fait, nous avons eu le temps d'obliger à aller. Merci tout le monde qui était connecté avec nous. C'est le débat qui nous a été là avec nous. Vraiment, monsieur, c'est un dernier mot. Il y a un dernier bagage que nous avons ajouté sur le thème. Mais c'est vraiment et intéressant parce que Gampil Bagay vous dit donc on est question démence coloniale là que et sous question Napoléon il y a plusieurs monde qui écrit par exemple Yves Benoît qui lui-même qui écrit un bel texte sous question ça il y a Alain Hubon qui parlait de insurrection des esclaves de Saint-Domingue également et Richard Sotbay en pile bête là qui était tombé sans oublier parler de James avec les Jacobins noirs donc mesdames messieurs c'était un plaisir vous d'être là avec nous et Richard c'est vraiment Si vraiment tu as un dernier bagage, pour bah, m'a dit merci guerrier de cette bonne possibilité pour nous retourner sur ça. Ensuite, faut haïtien retourner ensemble avec l'histoire, pas que haïtien sans histoire. Haïtien c'est un peuple qui historique, haïtien c'est un peuple qui utilise la méthode historique non seulement pour comprendre tête, ensuite pour comprendre monde. Donc New York Times ba nous occasion pour nous tourner sur l'histoire, donc pour nous réfléchir sur lui, pour nous repositionner tête nous, pour nous relutter parce que système international là, pas système international 1825 quoi, parce que des nouveaux acteurs qui émergent, la société civile internationale par exemple, c'est le phénomène de la mondialisation. Voilà. De l'alter mondialisation, notamment. Donc, si nous avons fini en dernier, nous avons dit, on nous utilise ça, on nous passe par là pour nous faire lobby, pour nous faire des grands mouvements internationaux sur plusieurs territoires différents, on nous mette tête, on nous fait internationalisation
des opprimés, même Jean, chaque Stéphane Alexis te dit non texte vraiment qui était vraiment intéressant. Voilà, merci Riska et Iveski, si tu as ajouté au dernier mot avant que nous passions à Pascal, c'est qui celle d'habiller. Maken Love, merci pour belle intervention, pour invitation côté féminin et bien bonne de intervention, c'est belle bagaille. Moi-même, ça m'a dit pour finir, c'est que oui pour la restauration, mais la restauration au service des intérêts nationaux. Oui pour la restauration de la dette de l'indépendance au service des intérêts nationaux. Bon bagaille, Pascal. Oui, m'a dit encore merci pour l'invitation que tu as fait nous-mêmes. Et en fait, avant de nous prolonger, je vais vous demander quelques références pour que vous soyez capable de rejoindre par rapport avec ça, risque de faire comme avancement. Parce que, pour ne pas oublier, à part les États-Unis, tout dans la question de dette, nous avons subi. Nous avons aimé auditeurs, auditrices, vous avez dit Aristide de la France, les raisons de la discorde d'Alexandra Lubro. Et nous avons aimé aussi tout, 100 ans de domination des États-Unis d'Amérique sur le nord d'Haïti, avec Michel Soukha, 1915 ou 2015, qui est vraiment important d'avoir une assez donnée fondement pour nous regarder sur ça. Donc, vous avez ce qui te dit, moi, t'as vraiment aimé pour nous travailler sur ça, pour nous tirer les leçons d'abord, parce que nous pas de comme indépendance comme restauration qui a réussi d'apprendre, mais au moins nous avons comme Petro-Caribé, mais nous qui t'a aidé pays à avancer sur ça. Nous avons dit Gabji gagne sur ça. Faut nous tirer les leçons de Gabji nous t'es subi par rapport à l'autorité politique et économique nous dans le pays à, avec comme Petro-Caribé, si toutefois, processus juridique légal nous a abouti pour nous jouer comme ça. Vous nous connaissez bien, c'est des projets à long terme qui avaient investi, mais ce n'est pas reparti, n'a pas reparti par rapport à des personnages publics clés que nous avons par rapport à des personnages. D'accord, merci Pascal. Merci tout le monde. Merci parce que nous t'es connecté ensemble avec nous. C'était rubrique Espace International là. C'est toujours un plaisir pour que nous-mêmes nous capables de présenter rubrique ça et puis commenter l'actualité internationale là pour la population capable de gagner plus de lumière. Je dis à nous t'es une rubrique assez spéciale. Je vous remercie tout ça qui était ben nous autorisation pour que nous t'es capables d'aller plus long. Je vous remercie Richard Célestin qui était là ensemble avec nous, qui c'est juriste, historien qui était participé ensemble avec nous. Je remercie Daniel Anderson, Iveski Pierre, lui-même il est internationaliste et anthropologue. Je remercie Pascal Philippe Jules qui c'est internationaliste et juriste. Et puis, ou même qui était connecté ensemble avec nous, moi t'es content là ensemble avec nous. Ces amis, Paul Makinov, Glorinzieri, coordonnateur jeune acteur pour le changement, licencié en diplomatie relations internationales qui était là avec nous. Nous allons nous rendez-vous une autre fois encore. Bye bye, à la prochaine. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial, vous dit tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique comme domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon Éditorial, nous bral la balle et pays, nous bral fait débat.